Et hop, le jour, c'est qu'en 62, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, vous voyez, on se retrouve en tuto, même si la vidéo a un peu duré. Donc, je vais vous apprendre à faire une redirection ou à utiliser des mods par rapport à, enfin, à jouer avec des mods sur, enfin, avec votre Minecraft. Donc, tout simplement, de base, c'est comme ça. Vous pouvez choisir votre version, là, dans l'édit de profil, là, il y en a. Truc habituel, voilà. Donc, mais, vous voyez, je n'ai pas que ça. J'ai tout ça moi. Par exemple, ici, c'est j'utilise ce. Je crois que c'est celui-là. C'est pas celui-là. Oh, t'es. L'un des. Un truc comme ça. Et celui de Nation Glory utilise. Vous allez voir. Ça met Game Directory. Le dossier. Ce dossier-ci. Qui est celui de Nation Glory. Alors, en sachant que, donc, à quoi ça servir de faire une redirection? Vous me direz, ouais, on a le truc Nation Glory, c'est pas mal. Le problème, c'est que vous pouvez, enfin, le problème. Par exemple, vous pouvez rajouter certains mods, et les Winepots aussi, enfin, vous pouvez rajouter certains mods grâce, en faisant une redirection telle que Schematica. Donc, je redémarre mon Minecraft. Donc, pour ce faire, si vous voulez faire une redirection, c'est très simple. Vous faites, vous appuyez sur ça pour ouvrir votre Windows, là. Faites R en même temps, ce qui va vous ouvrir votre, enfin ça. Vous appuyez sur ça. Ou bien vous pouvez faire aussi, je crois que c'est ça. Attends, je suis pas sûr. C'est pourcentage, apt data, pourcentage. Voilà. Et là vous avez le truc from a viewing, ce qui vous amène exactement à la même page qu'ici. Voilà. Donc ici vous avez tout ça. Enfin, ça dépend, vous. Hein. Donc moi par exemple il y a Aether, Aether Hold, Ascensia, Launch Minecraft, le point Minecraft, le point Minecraft Chronicle, le point Nation Glory P. Donc ça c'est pour Nation Glory. Donc tout ça ici vous allez prendre et vous allez tout copier. Donc hop, ce qui fait, vous allez prendre ça. Vous allez donc pour faire ce deux, vous allez faire un créer un dossier, par exemple moi je l'appelais NG+. Donc, on va faire un nouveau dossier. On va l'appeler tuto redirection. Hop, voilà. Vous l'appelez comme vous voulez. Là, il est vide. Vous collez tous les dossiers que vous avez pris. Donc, il y en a beaucoup, hein, vous voyez. En sachant que moi j'ai des maps et tout, hein, c'est pour ça. Ça prend un peu de temps. La vidéo va être assez courte, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour apprendre à faire une redirection. Donc vous voyez, hop, les mods commencent à, enfin les trucs commencent à arriver. Le dossier mode, la librairie, flan, le set, les configs, tout ça là. Hop, donc on va attendre un peu. On va attendre, de toute façon, vous voyez, hop, ça fait juste ça. Je veux dire. Voilà. Pas rien de compliqué. C'est pas sorcier. Ah ah. Cette flag était totalement ridicule. C'est justement pour ça que je l'ai faite. Bon. Ça se finit. J'espère. Après, je vais vous apprendre aussi comment faire 2-3 petites choses aussi. Ah, grâce à ça. Pendant ce temps-là, vous voyez que mon, bah, j'ai ouvert Minecraft. Donc, c'est très simple. Vous allez voir, il faut attendre que ça se finisse. D'ailleurs, il n'y a plus très longtemps à attendre. Hop, allez, allez, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Voilà. Donc, tout est là. Donc, par exemple, déjà, une chose. Si vous avez fait la redirection, c'est pour, par exemple, rajouter un mode. Vous allez dans mode ou rajouter une map hein, aussi. Hein. Je dis un mode, mais vous pouvez aussi rajouter une map. En sachant que moi mon mode il est là parce que j'avais déjà fait un truc comme ça. Et là vous avez normalement j'ai Schematica qui est il est où? Là. Copier. Donc moi je le copie, je le colle. Tuto redirection. C'était mode. Fallait que j'aille dans mode.
là, hop, je colle là. Donc, il va apparaître ici. Et là, c'est très simple. Vous prenez... vous avez là-dedans. Vous allez copier l'adresse. Vous allez créer un nouveau profil. La Game Directory de base, c'est comme ça. Vous allez faire ça. Vous allez supprimer ce qu'il y avait ici. Normalement, je sais plus comment on fait. Attendez. Hop, copier. Ah non, faut tout réécrire ça même. Voilà. Et là, j'ouvre ma boîte mail. Fail. Oui, donc, les gens, j'ai solutionné le problème. Donc, si on regarde là, j'ai juste tapé tuto redirection, qui était tout simplement ici. Hop, ça joue pas de Mozilla Firefox, ça me refait toujours. Qui était tout simplement le nom qui était ici en haut. Je l'ai recopié, je veux pas aller sur Mozilla Firefox. J'ai juste recopié ça. Et après, j'ai fait save. Et voilà, ça m'a fait ça. C'est sous le nom de Copy of Nation Glory, mais je vais l'appeler tuto redirection, hein. Voilà, donc par exemple c'est ça. Donc vous pouvez faire une redirection. Regardez, moi j'ai ajouté le mode schematica dans ça. Donc ce qu'on peut pas rajouter, si vous rajoutez dans votre remailing directement, il va être va pas être là. Ça va pas être compté ni rien. Donc on peut pas garder. Si je le rajoutais là, ça servait à rien. Ensuite, hop, ça on peut fermer. Voilà, donc je supprimais mon dossier tuto redirection. Après d'ailleurs, hop, je replace juste ce fichier ici, ce fichier là, et vous allez voir, alors, pourquoi j'ai refermé ça, que en final on peut se servir pour d'autres choses, telles que bah, par exemple ici, si je voulais jouer, j'ai téléchargé ces modes là, donc enfin j'ai téléchargé Forge, faut utiliser Forge, hein. Le mode Industrial Craft, Forestry, Building Craft, Archimedeship et le mode Multibrick. Alors le mode Multibrick, bon qui est un, en fait c'est un mode avec plein de, pas mal de salles de briques, c'est un mode de créatif. Mais c'est surtout en fait c'est un ami qui me l'avait créé. Pour que je. Enfin c'était un ami qui l'avait créé pour qu'on puisse jouer sur un serveur avec ça. Mais le mode il a perfectionné. Je pense que je le mettrai sûrement en téléchargement ou un truc dans le genre pour ceux qui voudront tester. Je peut-être un petit passerai peut-être un petit peu dessus. J'ai là pendant les vacances, je vais faire des cours de vidéo, mais qui vont vous apprendre pas mal de petites choses pour NG. Donc pareil, j'ai fait ça, j'ai juste tapé mode, on donne aussi un mode qui était là. J'ai fait pareil pour le truc des industries qui est là. C'est encore un truc Minecraft, le launcher Hunter Z que je devais faire la série avec de l'énergie. Tout ça là, c'est un truc ils sont tous là, je fais juste les mêmes manip, niveau profil, c'est où changer de profil, donner un nom particulier. Je commence à avoir pas mal de choses, regardez, hop, ça c'est pour le fichier des modes qui est là. Après vous avez juste à lancer sur play. Et là, je pense que je vais vous faire un tuto sur Schematica. Donc, je vous dis à la prochaine et bon jeu à vous. Ciao, bye bye.